Bonjour à tous et bienvenue pour la quatrième ou cinquième partie de la construction de la ferme à faire. Je sais plus trop, je suis perdu là parce que je le fais. C'est le deuxième jour que je suis dessus, hein, parce que la ferme à faire, faut la faire, on va dire. On peut la faire en plusieurs étapes, mais une fois qu'on arrive à certaines étapes, il faut les continuer, les peaufiner et les finir le même jour. Enfin, alors je sais plus si c'est quatrième ou cinquième. Enfin bref, j'ai fait des préparatifs, hein, comme on peut voir ici. J'ai poser la voie du chemin de fer qui va emmener les villageois jusque là-haut. Je crois que ça, on l'avait pas fait dans le dernier épisode, je sais plus trop. Et ça va venir ici, ça va amener les villageois ici, juste à cet endroit-là, qui va permettre de faire les villages, hein. Ça va permettre de créer les villages. Il faut qu'ils soient placés ici, ils sont à 15 blocs. Sinon, j'ai fait aussi les box à villageois de chaque côté, un ici d'ailleurs que j'ai pas encore entouré, mais ça je le ferai après de toute façon parce qu'il y a déjà une paire de villages à emmener, une paire de villageois à emmener. Là-haut il en faut 5 et ici il en faut 21, 21 et 21 ici. Le plus gros défi va être déjà de ne pas tomber, ça c'est une chose, c'est pas le plus gros mais c'est un défi, hein, parce que vu le nombre de fois que je suis tombé, heureusement que j'ai du Feather Falling, hein, et puis que j'ai une armure, hein, parce que je suis déjà tombé, heureusement que je l'ai pas fait en hauteur aussi. Enfin, en hauteur, j'aurais mis de l'eau en dessous éventuellement pour protéger. Là, disons que comme on est plus bas, on a plus tendance à courir et tout ça. Sinon, d'habitude, on se déplace en sneak. Enfin, j'en étais. Le plus gros défi va être là-haut d'empêcher les zombies de venir. Parce que comme vous pouvez le voir là, j'ai rien éclairé. J'ai pas pris le temps d'éclairer. J'aurais peut-être dû prendre le temps d'éclairer. Mais bon, j'ai déjà passé énormément d'heures à faire tout ça, le terraforming, la pose des blocs, les plateformes, tout ça, tout ça. J'ai dit, j'éclairerai ça quand je ferai la sécurité, parce qu'on verra après pour faire une sorte de barricade de sécurité pour éviter que les gens viennent construire à ce niveau-là. Donc on verra bien. Bon, pour le moment, j'ai pas de zombies qui sont là, mais ils vont venir, hein, de toute façon, puisqu'en plus on va mettre des villageois. C'est pour ça que j'ai rehaussé pour empêcher les zombies de venir tuer les villageois. Et les villageois, on les enfermera provisoirement, histoire qu'ils aient aucun souci au niveau des zombies. Ici, j'ai encore un bug d'eau à corriger. Puisque ces villageois-là, on n'en aura pas besoin pour la suite des événements. Enfin, une fois que la ferme est en route, on n'en a plus besoin. Donc on peut retirer les villageois casser l'ensemble de la construction. Ça gêne en rien. Les deux box sont là-haut. Je vais vous montrer un peu. J'ai fait un peu d'aménagement pour pouvoir travailler plus facilement et construire plus facilement cette ferme. Alors ici, c'est les box, hein. Ils sont mis en place comme il faut, tout ça, tout ça. On va descendre sous l'étage du dessous. C'est pas ici, ici, il n'y a rien à voir. C'est à ce niveau-là. J'ai fait tout autour à ce niveau-là. Tac, 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 on peut le voir sur toute la longueur. J'ai fait un chemin de passage qui fait que de 1 de large, mais c'est largement suffisant pour pouvoir faire la construction. Il n'y a que en bout que j'ai pas fait, puisque là, on a 1, 2, 3, 4, 5 de large. C'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 de large. Ah bah oui, parce qu'il y a les deux qui sont là, plus 3. Oui, forcément. On a 5 de passage et on n'a pas trop lieu à y aller par derrière à ce niveau-là. La même chose de l'autre côté, on a 4 de passage. La différence, c'est que là, on n'a que 4. Mais enfin, on a quand même 4 de passage, donc c'est largement bon. Là, on a le passage. On a le passage sur le côté. Et j'ai fait de chaque côté ici un passage qui sera enlevé par la suite, puisque la plateforme là va être cassée. La même chose de ce côté-là. Je les ai bien mis en stone slab pour bien délimiter, pour surtout ne pas construire dessus. Parce qu'il faut surtout pas que je construise dessus, que je pose une porte dessus. C'est ça le plus important. Ce qui va être le défi à l'heure d'aujourd'hui, enfin du moins maintenant, ça va être le défi, ça va être de mettre les villageois dans les box. Et une fois qu'on aura mis les villageois dans les box, je les enferme pour être tranquille et surtout ne pas avoir de problème de zombies. D'ailleurs, je vais peut-être mettre du verre dans les angles. Qu'est-ce que je fais? Je mets du verre. Je vais peut-être mettre du verre dans les angles. Vraiment, parce que si les attaquent dans les angles, on va avoir des soucis. Normalement, ils ne devraient pas pouvoir venir ici. Mais je préfère
Sait-on jamais, hein, sait-on jamais. Ça mange pas de pain de mettre du verre à cet endroit-là. Ça ne gêne en rien du tout du verre. Hein. Le verre, ça gêne en rien. Par contre, là, j'ai fait une connerie là. Ça, je peux pas le laisser. Ça, je peux pas le laisser. C'est au-dessus ici. J'ai bien fait de contrôler quand même. Ça, je l'enlève. Ça, faut que je l'enlève, ça. Je vais le remplacer par du verre. C'est pas gênant. Je vais remettre des torches pour l'éclairage. Tac. Tac. Ça, je remplace par du verre. Tac, 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 tac. Y a pas besoin d'en mettre en dessous. Quoique. Oh non, y a pas besoin. Ça sert. Je préfère. Je vais en mettre quand même pour fermer. Au final. Bon, là ça devrait être bon, là je vais mettre quand même mais bon, ça devrait pas être gênant, là ça devrait pas être gênant. Là on devrait être bon, je vais aller faire l'autre pareil parce que l'autre c'est la même chose. Je vais aller faire tout de suite l'autre pareil. Tac. Ah bah non, l'autre je viens de le faire. Donc là c'est bon, normalement les angles, je vais en mettre dans les angles, c'est pareil. C'est pas gênant. En général, quand je ferme la ferme, je les mets quand même dans les angles alors. Donc, comme ça se refait tout de suite. Ça c'est fait. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, bah, j'ai fait un petit accès là avec une barrière. Je vais casser le bloc là, je vais y mettre des rails et normalement je devrais pouvoir récupérer mes villageois sans trop de difficultés. Je dis bien normalement. Ça, c'est moins sûr après. Donc ce que je vais faire, je vais pas faire ça avec vous, parce que ça va prendre un temps fou de le faire. Mais éventuellement, je verrai si je vous mets un petit accéléré ou pas. Ça va dépendre de la durée de la vidéo et tout ça. Je mettrai peut-être un petit accéléré au début, mais après je le ferai hors caméra. Il y a de fortes chances, parce que ça, je vous dis, ça va être long. Donc je m'occupe de ça, et on se retrouve après. J'ai mes 5 premiers villageois qui sont dans cette boîte là. Ce que je vais faire, c'est que par sécurité, je vais la fermer. Histoire que les zombies ne puissent pas les atteindre. Alors ça, c'est la première chose que je vais faire. La deuxième chose que je vais faire et qui est importante, c'est qu'à ce niveau-là, c'est ce niveau-là. Oui, c'est celui-là. Il faut que j'enlève le bloc qui est juste au-dessus du bloc de verre, c'est-à-dire celui-là. Voilà, il y a un bloc de verre ici. Il faut que je l'enlève. Ça, c'est fait. De l'autre côté, c'est pas gênant parce qu'il est là-haut. Donc là, on est bon. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à m'occuper. Donc, je peux même récupérer mes rails. Je peux tout récupérer en même temps. Je vais quand même les laisser. Sait-on jamais, en cas de soucis, j'en ai des rails. De toute façon, je suis pas en manque de rails. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste dégommer celui-là et celui-là. Et je vais repartir
Directement, tac, tac, je vais faire le même principe. Ça a bien été au final, à part le deuxième qui voulait vraiment pas tomber dans le trou. Il voulait à tout prix ressortir, alors ça a été un peu la galère, mais dans l'ensemble, ça a bien été. Bon, là où ça peut pas spawn, là-haut? Non, ça peut pas spawn, c'est bon, on est bien éclairé. Ça c'est fait, je vais mettre juste un petit levier que je n'ai pas là, mais c'est pas grave, je vais en récupérer un plus loin. Tac. Évidemment, il a droppé au sol. Petite enderperle pour remonter. Tac, tac. Par contre, ça consomme masse nourriture parce qu'à chaque fois on prend des dégâts et à chaque fois, comme maintenant, la nourriture est plus basée sur la régène que sur l'ensemble de l'utilité, on va dire ça a plus d'utilité sur la régène que sur le reste de nos mouvements. Viens ici, toi. Avec les enderperles, on consomme masse nourriture. Là, ça va tomber direct ici, c'est parfait. Ça va venir là, c'est parfait. Là où j'ai mes 5 villageois, chose faite. Maintenant, il va falloir que je compte comme il faut, faut pas que je me plante. Par contre, je sais pas ce qu'ils ont fait dans le code, mais alors quand on tombe sur des cultures, c'est infâme. On reste glitché. On a une chance sur deux de rester glitché sur les cultures. C'est incroyable. Je sais pas du tout ce qu'ils ont fait sur les hitbox, mais c'est devenu totalement infâme. Enfin bref, ça c'est pas grave. Je m'occupe de la cage là-haut et on se retrouve juste après que j'ai fait le conteneur qui est là-haut, sûrement avant de faire l'autre, histoire qu'on déplace le chemin ensemble. Allez, à tout de suite. Allez, le petit dernier. Allez, hop. Et voilà, chose faite. Normalement, si j'ai bien compté, j'ai 21 villageois exactement. Dans cette boîte là, mais comme je sais que j'ai pas bien compté et qu'il y en a au moins deux trop, je dois en avoir 23. Oh, ils ont modifié encore une fois la hitbox. D'accord, okay. Je sais pas combien de fois ils vont la modifier la hitbox, mais en ce moment, avec les mises à jour, ils arrêtent pas de la modifier la hitbox. Enfin, c'est pas grave, ça m'arrange, ça me permet de mettre un bloc au-dessus. Je suis sûr qu'il y en a au moins 22 ou 23. C'est pas gênant, de toute façon, il vaut mieux que j'en ai plus que pas assez. J'étais pas certain, j'ai dû en rater parce qu'en fait j'ai mon petit papier à côté de moi là. Je note au fur et à mesure quand j'amène un villageois, mais j'ai dû en oublier 2 ou 3. Je le verrai sur les records, je vous le mettrai combien j'en ai fait exactement. Mais c'est pas gênant. Après, pour ceux qui ont des petits serveurs, enfin du moins sur des serveurs publics, en même temps sur les serveurs publics, faire l'Iron Titan c'est assez compliqué. Mais si vous n'êtes pas modérateur de votre, enfin, du moins administrateur de votre serveur et que la règle max entity creaming sur un bloc, enfin du moins le nombre d'entités sur un bloc n'a pas été modifié, vous ne pourrez pas dépasser plus de 24 villageois, de toute façon. Mais c'est pas grave, il en faut 21. Il faut être sûr qu'il y ait les 21. Moi, je suis sûr qu'il y a les 21. Je vous dis qu'il y en a même 22 ou 23. Alors c'est pas gênant en soi. Le principal, c'est qu'il y en ait minimum 21. S'il y en a moins, ça ne fonctionnera pas. C'est certain. Bon, maintenant on va déplacer le chemin et on va le mettre un peu plus loin. Alors, je vais le mettre par ici. Alors, bien entendu, attention, pas faire la même erreur que j'ai fait tout à l'heure. Tac, tac. Alors, c'est un peu la galère des fois, par moment, et d'autres fois, ça va tout seul. Le problème, c'est que depuis qu'ils ont changé, depuis la 1.9, ils ont modifié. Le comportement, on va dire qu'ils ont modifié le comportement. Alors ça c'est spécial parce qu'ils ont modifié le comportement de la hitbox des villageois. C'est-à-dire que avant, les villageois, n'importe comment ils touchaient le minecart, ils montaient systématiquement dedans. Maintenant, ce n'est plus le cas. C'est comme s'il fallait que le villageois donne son accord pour pouvoir monter dans le minecart. Et puis bien entendu, bah, le villageois il donne pas son accord. Hein. Il dit nope, moi j'ai pas envie de monter dans le minecart, moi. Il est pas fou le villageois. Alors des fois ça va tout seul parce qu'il y a des villageois qui veulent bien y aller tout seul et d'autres fois bah ça veut pas. Alors c'est des fois bien, des fois c'est cancer. Il y a un villageois, j'ai mis 5 minutes à le mettre dans le minecart. Enfin 5 minutes c'est exagéré mais presque quoi. Et il y en a d'autres, j'approche le minecart et boum, ils sont dedans avant même d'avoir touché le minecart.
Enfin, c'est Mojang, faut pas chercher. C'est comme ça. Là, je me suis mal placé, bien entendu, c'est pas là que je voulais me placer. On va mettre le chemin par ici. Tac, tac, je vais récupérer une paire de... Oh, je vais prendre ceux-là. Tac, tac, tac. Tac, avec le petit levier. Ah, il y a un petit peu de lag ce soir sur le serveur. Tenant. Quand je suis tout seul. Tac, tac, et hop. On n'a pas réellement besoin de le... Ah, je vais le relever quand même. On n'a pas réellement besoin, mais bon. Ça marchait bien. Autant garder quelque chose qui marche bien. J'ai pas eu de soucis pour le transformer. Pour les amener jusque dans la boîte, ça n'a pas eu de soucis. Ça s'est à peu près bien passé. Qu'il y a, c'est pour les mettre dedans le minecart. C'est un peu compliqué. Enfin, c'est un peu compliqué. Des fois ça va bien, des fois ça va pas bien. C'est Mojang, hein, faut pas chercher. Mojang fait parfois des bonnes ajouts, fait parfois de la merde. C'est comme ça. Allez, c'est reparti. Je recommence ça une deuxième fois et on y retourne. Allez, petit. Ah, vous voyez, ça a été tout seul. Il est rentré tout seul. Et le prochain, si ça se trouve, il va me falloir 5 minutes pour qu'il monte dedans. Bon! J'ai mis tous mes villageois dans la boîte qui est là. On va les enfermer. Alors, il y en a aussi normalement 21. Alors, le truc, c'est que j'en avais pas assez. Il m'en manquait. Mais j'avais oublié celui-là. Donc, avec celui-là, ça faisait compte. Après, j'en ai peut-être oublié un ou deux aussi. C'est pareil, je regarderai au record si j'en ai oublié un ou deux. Hey, tu fais quoi là? Tu vas où toi? Non, 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 tu touches pas. C'est pas pour toi. Voilà. Voilà. Bon, de toute façon, tout ça, c'est bon pour moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais démonter tout ça pour que ça soit propre. Première chose, parce qu'en fin de compte, comme j'ai dit, là, j'ai pas lieu à en remettre. Les villageois, je vais les laisser jusqu'à ce que ça fonctionne. Et après, de toute façon, je la sauvegarde, la ferme. Alors, parce que j'ai une possibilité de sauvegarder la ferme. Donc après, je la sauvegarde, la ferme, donc il n'y a pas de souci. Et ça devrait être bon, il ne va pas y avoir de soucis majeurs en temps normal. Donc c'est pour ça, je démonte tout ça, pour que ça soit propre. Par contre, je vais faire un mur de renfort, pas de renfort, un mur de haut supplémentaire. Pourquoi est-ce que je suis tombé aussi lourdement, moi? Ne peuvent pas y toucher et ils sont au sec. Va passer par là-haut. Hop, hop. De toute façon, ils m'ont vu, moi, ils vont m'attaquer, moi. Non, ils vont attaquer les villageois. Façon, après, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez pas les toucher, ceux-là. Voilà. Voilà. Je vais l'enlever tout simplement parce que je me suis aperçu que les zombies. Bah, je me suis aperçu, non, c'est normal. Les zombies peuvent passer au niveau du verre. Là, ils peuvent pas passer. Mais là, ils peuvent passer. Et je voudrais pas qu'ils passent au moment où c'est que je construis. Parce que ça poserait quelques soucis. Poserait quelques soucis. Je vais casser par en dessous, ça ira plus vite. Pour ça, je casse ça tout de suite, là. Hein. Je fais ça, tac, 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 tac. Rien de bien compliqué. Je vais retirer les rails, j'en ai plus besoin. Tac, 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 j'ai mon nombre de villageois, on va bien les protéger. De toute façon, il y a de fortes chances, parce que j'ai vu ça à chaque fois. Il y a de fortes... T'en es un zombie ou quoi? Il y a de fortes chances que quand je vais commencer à poser les portes, ils continuent de se reproduire, parce que surtout, je les ai vus se dropper de la nourriture en masse, le temps de les transporter. Donc si en plus ils se multiplient dans le... Dans le comment que c'est dans les box, ça gêne en rien, absolument pas. Ça va gêner par contre au moment de descendre les villageois, mais c'est en faisant attention, ça va.
En faisant attention, ça va. Après, les petits villageois, vu qu'ils sont en plus, c'est pas gênant s'ils tombent de dessus, je ne sais plus, dans la plateforme, mais bon, c'est pas non plus. Voilà. Je continue d'enlever ça. C'est juste pour que ça soit propre au moment de commencer la ferme, parce que ça, tout ça, j'en ai plus besoin. Et surtout, je récupère les cailloux. Tout ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. D'ailleurs, même. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Ça non plus. Ça non plus d'ailleurs. Hop là. Tout ça, c'est bon. Par contre, là, je vais. Ah ouais, ils ont modifié les hitbox, elles sont moins cancer quand même. C'est autre chose. C'est autre chose. Parce qu'à un moment donné, c'était vraiment cancer les hitbox des villageois. Enfin, les hitbox de tout. Ils ont dû les corriger. Ils ont dû. Non, ils les ont corrigés, c'est sûr même. Et toi. Il est en bas. Il a dû tomber. C'est pas grave, il va despawn. Ça c'est bon, ça c'est bon. Je vais nettoyer celui-là. Ils sont enfermés, ouais, ils sont enfermés. Éclairage. Bah, je vais prolonger ça. C'est juste pour éviter qu'ils passent et qu'ils tombent dedans. Parce que ce qui m'embêterait, ce serait vraiment qu'ils cassent une porte. Après, s'ils tombent tout en bas, là, c'est pas gênant. S'ils tombent plus haut sur les plateformes de portes et qu'ils s'amusent à taper dans les portes, cassent une porte, bah, c'est pas cool. S'ils cassent une seule porte, il faut que je recommence toute la ferme. Comme la pose des portes va me prendre facile bien 2 heures. Bon, à ce niveau-là, niveau éclairage, on est bon. Niveau passage, on est bon. Niveau tout ça, on est bon. Il n'y a plus qu'à poser les portes. Je pose les portes. Enfin, je vérifie quand même. Je vais quand même vérifier. Je vais faire une vérification des fichiers. Je vais voir s'il n'y a pas encore un village à cet endroit. Normalement, il devrait plus y avoir de village depuis longtemps. Je vais quand même vérifier. Sait-on jamais, il y a peut-être une porte qui a été oubliée quelque part. Si les fichiers pour moi sont bons, je pose le village. Enfin, du moins, je commence à poser les villages. Et ce sera. Ce sera bon. Je vais pas vous. Enfin, je vais poser les villages hors caméra et je vous reprends après, une fois que ce sera fait, pour éventuellement la deuxième plateforme et la mise en route finale de la ferme, voir si ça fonctionne ou pas.